Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de placer ou de détruire un piège sur Fortnite. Alors les pièges... En fait, c'est tout simplement les murs blindés parce que tout simplement, il n'y a pas de piège pour l'instant sur Fortnite. Après, peut-être que quand le défi sera disponible, il y aura des pièges qui apparaîtront sur Fortnite, mais je doute. Je doute que ce sera le cas. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est trouver justement ces plaques-là qui sont justement des pièges en fait. C'est ce qui remplace les pièges Fortnite. Mais voilà, c'est pas vraiment un piège entre guillemets parler parce que en fait, ça ne tue pas les adversaires. Mais quand vous mettez un mur comme ça, boum, ça crée un mur de blindé, enfin de blindé, un blindage. Donc moi, ce que je pense, c'est que pour réaliser le défi qui est de placer ou de détruire un piège, ben c'est tout simplement ces murs-là qu'il faudra soit détruire ou soit placer. Donc placer comme ceci ou soit le détruire comme ceci. Donc pour moi, ça, c'est ce qu'ils entendent par piège pour réaliser le quatrième défi de Kakashi. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. Bien entendu, si je me suis trompé sur cette vidéo et que ça ne réalise pas le défi parce que bah là, je le fais en avance la vidéo, donc c'est possible que je me trompe. Mais si je me trompe, je mettrai un lien vers une vidéo où je vous montre comment réaliser ce défi si ce défi, comme je vous l'ai expliqué à l'instant, ne fonctionne pas. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao, peace.